Pour nous, la classique Whitetail, c'est en fait l'ultime façon de dépasser nos limites. De se mettre au défi et de prouver à tous que ce qui semble impossible est réalisé. Devient en fait possible avec une éthique de travail irréprochable. La classique Whitetail 2022. Team Arrow. La première équipe féminine. Des femmes patientes, persévérantes et dynamiques qui chasseront partout à travers l'Amérique du Nord. C'est ce qui va nous faire gagner la classique. Hey la gang, pour l'édition 2022, la ceinture, là, préparez-la. Et à nous autres. Classique 2022, on est prêts. L'année passée, on en a surpris plusieurs. Mais cette année, attendez-vous à tout qu'un show. Cette année, encore plus d'équipes, plus de défis, plus de challenges, mais surtout, beaucoup plus de plaisir à travailler tout le monde ensemble. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on ne commence rien dans le but de perdre, nous autres. Fait que la ceinture, on veut la garder. Bonsoir tout le monde. Salut, Raph. Hey, bonsoir à tous. Salut, Eric. Comment... Hey. La dernière déjà, Eric? Oui, c'est déjà le dernier. Ça a quand même été assez vite, mais on est rendu là. Malgré tout, à coup de 1 ou 2 semaines, tu es rendu à 1 par semaine. Donc, ça a défilé quand même vite, c'est sûr et certain, au travers de ça, la saison de chasse. Puis là, on est enfin prêt pour la grande finale. On doit dire que... Oui, le 18, dans 4 jours. Écoute, il vous reste 4 jours pour acheter vos billets. Là, ça va vite. Là. On est rendu... Raph, je pense qu'on est rendu à quoi? En 10 500 $ en argent, en prix? Oui, on est à 10 200 $ en prix. On va faire l'énumération des prix d'ailleurs pour vous montrer un peu. On n'a pas une quantité à tout casser, mais on a juste des beaux prix avec des belles valeurs. Donc, ça va bien dérouler, ça va bien. C'est des films, un petit peu de prix, des films. Donc, ça va être vraiment, vraiment génial. On a hâte de vous présenter ça. Donc, hey, sans plus tarder, Eric, on parle de films, on parle de ça. On présente-tu le teaser? Oui, présente le teaser, puis après, je vais vous faire l'énumération des cadeaux qu'on va avoir. On vous revient avec l'énumération des cadeaux pour la grande soirée. Premier octobre, ouverture de la saison de chasse au chevreuil. La classique Whitetail est officiellement commencée. Ce matin, le maximum de l'once, c'est moins 18. Dernière passe de soir pour moi. Je sais que c'est là que ça se passe. Que je chasse sur des traces, mais mon instinct me dit que c'est ici qui passe. Pas mêlant, Raph, encore une fois, juste quand le cri de Charles me donne des frissons. Le cri du winner, le cri du guerrier. Ouais, le cri du guerrier, puis vous allez voir, il y a une petite surprise et tout dans cette vidéo-là, je pense, du bac à Charles là, qu'on va voir en finale. Là, je pense que le monde va être surpris. Super. Donc, dans ça, juste pour vous faire un petit peu le profil de la soirée, donc on va poser la question aux gens, quelle partie d'équipement ou quel équipement ou quel gadget a pour eux fait un petit peu la différence cette année dans leur chasse. Donc, chaque participant va avoir 5 minutes. Donc, Eric va énumérer les cadeaux. Ensuite de ça, on va passer 2 participants puis on va tout de suite s'en aller vers les films de chasse. C'est un peu ça aussi. On veut vous montrer la qualité des images qui vont être présentées lors de la prochaine finale. Puis, on a monté d'un cran en plus par rapport à ce que vous allez voir cette année, bien, ce qu'on va vous présenter là. Donc, on a vraiment hâte là, de vous montrer ça. Donc, restez avec nous. Il y a des beaux films de chasse au chevreuil qui s'en viennent gratuits. Donc, Eric,
Commençons par nous énumérer ça, les prix pour cette belle soirée-là du 18 mars prochain. Oui, fait que je vais y aller. Je vais commencer avec nos commanditaires. Hoyt Archery qui nous donne une arc carbone RX7 d'une valeur de 2200$. TFCP, produit Sport Chief pour une valeur de 2000$. Yes, Katabi Sport Chief. C'est Katabi? Mm. Ah, parfait, ça. Ça veut dire 4 gagnants. Wow, ça, c'est yes. Cool. Ensuite, on a nos amis de dépôt Chasse et Pêche qui donnent les jumelles EDC 7x42, un télémètre EDC 7X et puis un lustre Orignal pour une valeur d'environ à peu près tout ça de environ 1000$. On a aussi, c'est correct, c'était parfait. Je voulais juste, parce que le lustre à lui seul, fait avec des panaches de chevreuil ou des panaches, bref, à lui seul, c'est d'une valeur de 500$, donc c'est un très beau... très belle décoration que vos femmes vont sûrement aimer avoir au-dessus de la table de la cuisine. Oui, probablement au chalet. après ça, on a nos amis du Défi Hoyt, ceux qui connaissent ça un peu. Sinon, allez sur la page Facebook Défi Hoyt. C'est un des. En fait, c'est le plus gros tournoi de tir à l'arc, je vous dirais, dans l'Est du Canada. Donc, 4 laissés-passer pour la fin de semaine, qui est la fin de semaine du 17 juillet, je ne me trompe pas. C'est une valeur de 60$ chaque, fait que ça va vous donner la chance d'aller dans les deux journées qu'on a pour tirer un paquet de parcours. Alors, c'est très le fun. Puis normalement, il y a une coupe de monde de la classique qui sont là à chaque année. Fait qu'on devrait avoir du fun. Ensuite, on a Connect, nos amis de Connect, qui nous donnent un certificat cadeau de 300$. Attendez un petit peu. Et casquette et tuque camo d'une valeur de 150$. Ça fait plusieurs questions que je vois défiler. Là, je vois que d'après moi, ils sont encore là pour nous écouter. Si vous n'êtes pas présent lors de la soirée, c'est pas grave. Le simple fait d'avoir acheté un billet dans l'heure, vous avez jusqu'à 1 heure avant le début de l'événement pour acheter votre billet. Bien là, à ce moment-là, vous êtes éligible à tous les prix qu'on a énumérés là. Il faut juste avoir acheté son billet avant la date de la finale. Fait que c'est 1 heure avant la finale. Un heure avant, exact. Parfait. Ensuite, on a nos amis du domaine de la Sorbière qui est dans les Monts-Valin. Écoute, c'est un beau prix, ça aussi. C'est 3 nuits, 4 jours de pêche pour 2 personnes d'une valeur de 1115$. Un vraiment beau prix. Yes. Ensuite, on a service de guide M&M. Ça, c'est pour une chasse pour 1 personne, 1 journée à la Sauvagine. Je ne mettrai pas ma main au feu, mais je pense que Steph va être là. on a aussi Aero Service d'Archerie de l'Estrie qui nous donne 12 flèches et un déclencheur d'une valeur de 250$. Notre ami Sam de Sam Hunting qui nous donne 2 certificats cadeaux, un de 50 et un de 25$. On a la compagnie Trophy Line, je ne sais pas si le monde les connaisse un peu, c'est des saddles dans le fond qui vient des États-Unis. On a un kit complet d'une valeur de 450$. Ouais, ceux qui voudraient essayer la saddle, sans saddle, on a mis cette valeur-là, mais je pense que ça vaut plus cher rendu ici en temps normal avec les douanes. Oui, ça c'est US probablement, parce que normalement, là, ici, c'est à peu près 700$. On a nos amis de zone T3 qui nous donnent un chevreuil 3D d'une valeur de 380$, un traîneau à chevreuil d'une valeur de 240$ et 2 cibles zone T400 d'une valeur de 100$ chaque. On a notre ami affûtage Joe Corriveau. Vous irez voir sa page Facebook. Dans le fond, il est un gars de Drummondville qui a commencé à affûter des couteaux, toutes ces affaires-là. Même des lames de chasse. J'ai fait des tests avec pour des lames pour l'arc. Écoute, ça coupe, c'est quasiment épeurant. Dans le fond, il nous donne un couteau de marque Lamoureux & Son. C'est fait ici au Québec. C'est un couteau de haute qualité. D'une valeur de 300$ avec un affûtage. On a notre ami Luc qui nous donne une journée sur le terrain. Peut-être que Luc, tantôt, pourrait peut-être expliquer un peu là, ça serait quoi la journée, là, une minute, là, mais c'est une valeur de 300$. On a Lab 45. Je ne sais pas si le monde connaît ça. Je vais en parler. C'est un nouvel événement à venir. Une expérience de chasse à l'arc avec des... Je vous le dis, c'est malade. On va vous présenter le teaser lors de la soirée. Donc, ça c'est comme une toute autre chose. On a le défi Hoyt d'un côté qui est un beau parcours avec des trucs pour se pratiquer nos distances. Puis le Lab 45, c'est des situations de chasse. On vous met au défi. Ce n'est pas une question de pointage, c'est plutôt une question de
est-ce que tu as réussi ta shot ou pas, tout simplement. Est-ce que c'est un kill ou no kill? Donc, je vous invite, on va vous présenter le teaser lors de la soirée. Ça va être, il n'y a aucun événement comme ça au Québec qui se fait. Je ne sais pas aux États-Unis probablement, mais je peux vous dire que ça risque d'être un rendez-vous. Est-ce que tu as une idée, Raph, c'est quand? Ou... Écoute, je pourrais leur dire, là, on va le faire réapparaître. Là, c'est pas en même temps que Défi 8, disons pas. Là, c'est pas, ça ne se conjugue pas, c'est un autre moment, mais je n'ai pas les dates devant moi, là, malheureusement. Bon, parfait, puis c'est une valeur de 300$ chaque, fait que ça fait 600$. Et on a nos amis Alex et Joss de What the Pork, ceux qui font un peu de barbecue, les connaissent probablement, là, ces deux petits gars de Drummondville. Ils nous donnent, dans le fond, en prix de présence, leur kit complet épices et sauce, qui ça pourrait être super bien avec du gibier, d'une valeur de 200$. Fait que c'est ce qu'on a comme prix. Là, c'est sûr, peut-être, on va peut-être en mixer, Raph, qu'on avait dit, pour faire... des plus gros prix. Je vais vous donner un exemple. Probablement qu'on va, mixer le couteau de chasse et affûtage avec les épices pour faire une valeur de 500$. Fait que, comme Raph disait tantôt, ça va être des beaux prix qu'on va donner. Il n'y en aura pas énormément, mais je pense que la qualité, elle va être là et ça va être vraiment le fun pour les gagnants. Il y en a en masse, Eric. Il y en a en masse. Il y en a en masse. On aimerait toujours en avoir plus, mais c'est vrai, il y en a. Non, il ne faut pas que tu dises qu'il y en a. C'est ça. Donc, c'est parfait. Écoutez, là, on me demande le lien pour acheter des billets. Là, je suis en train de chercher ça. Là, je vous le redonne à l'instant même. Donc, juste à cliquer sur le lien pour acheter vos billets pour la finale. Donc, sur ça, Eric, on a fait une belle énumération de tous nos prix. On va commencer avec notre premier participant qui est Guillaume Paquette. Donc, Guillaume, je t'invite à rentrer drette là. Salut, Guillaume. Comment ça va? Ça va bien? Ouais, top shape. Ouais, oui. T'es-tu pris dans un filet à perche Non, si je reculais la caméra, ce que je ne ferais pas, là, c'est une chaise de lecture parce que mon spot habituel, vu les rénaux, est un peu encombré aujourd'hui. Oh, t'es en réno? Ouais, tout. C'est un duplex de Dîner Central. J'ai commencé il y a 5 ans, puis on continue encore. Les éternels rénaux, hein, c'est ça. Super, Guillaume. Donc, écoute, je pars le chronomètre. On a 5 minutes par participant. Explique-nous donc un peu, toi, t'as-tu quelque chose cette année que tu as trouvé qui a vraiment été utile pour ta chasse, pour tes chasses que tu as faites à l'extérieur? Je te laisse aller. Ça peut être, c'est vague, hein, si on parle d'équipement, mais ça peut être... Ah, mais là, tu prends mon temps, là. Tu me laisses... OK. Hein? Non, c'est parti, là. Vas-y. Non, en fait, il y a plusieurs choses, puis je vais profiter de la vitrine. On ne l'a pas fait souvent parce que dans nos capsules, on essaie d'être plus éducatif, puis de montrer un peu qu'est-ce qu'on fait, comment on se prépare, puis tout, mais on passe souvent nos commanditaires en petit logo à gauche, à droite, mais sans nécessairement prendre le temps d'en parler en long et en large. Mais j'ai eu la chance cette année d'être épaulé, si on peut dire, tout en essayant des produits par quelques compagnies ou quelques personnes. Donc, je vais faire ça rapidement. Mais tu sais, j'ai chassé pendant plusieurs années avec des couches, des layers de linge, un peu n'importe quoi, là, tu sais, tant que c'était synthétique, que je pouvais laver à mon goût, puis sécher rapidement, etc. Puis cette année, j'ai eu la chance d'essayer 3 combinaisons différentes de chez Connect. Puis ça a été... J'ai vraiment élevé mon niveau de confort là, pour dehors des sites. En Ohio, là, j'étais dans mon pyjama toute la journée. J'ai eu beaucoup de plaisir à chasser dans ces habits-là. Puis c'est très silencieux, ce que j'ai toujours un peu déploré, des habits comme ça. C'était souvent trop gros pour l'arc. Puis pas assez silencieux. Puis là, ben, on sont à l'écoute. C'est des notre ami Félix Garneau, c'est un Québécois, c'est un gars de la place, il chasse. Il est à l'écoute des chasseurs. Puis ça paraît dans le produit qu'ils mettent de l'avant. Puis là, chaque année, si on regarde chaque génération, là, il y a toujours un petit quelque chose qui change sur l'habit parce qu'il y a des gens qui donnent des commentaires, oui, par exemple, qui disent hey, telle affaire, ça m'agace, ça accroche, ça rentre pas tout à fait dans les bottes ou quoi que ce soit. Il y a des petits détails des fois qui font toute la différence. Puis en tout cas, bref, de ce côté-là, j'ai été bien chanceux de pouvoir travailler avec eux. Puis je peux recommander grandement d'utiliser ces produits-là si vous cherchez un habit confortable, léger, puis ça ne coûte pas la peau du comme certains autres dans la même gamme, si on peut dire. Okay. Ensuite de ça, ben
J'ai commencé l'arc traditionnel, fait que je pourrais remercier Pat, là, qui est l'ancien propriétaire de chez Arkelite, qui est maintenant fermé, mais vous pouvez retrouver Pat chez Distribution Plenaire maintenant, qui m'a starté rapidement, m'a dit où regarder les vidéos, quoi checker, il m'a seté mon arc, les flèches, toute la patente, très rapidement. Il savait que mon but, c'était de chasser cette année avec, fait qu'il dit, va-t'en avec ça, pratique, puis... j'ai pratiquement rien eu à toucher. Là. J'ai seté mon oc juste pour cheater un peu là, pour pouvoir viser. Puis ça a fait la job. Fait que non, il ne faut pas dire cheater, Guillaume. C'est pas cheater. C'est juste profit d'une technique. Exact. Fait que je peux dire que j'ai profité des conseils de Pat puis de setup qu'il m'a fait rapidement. Fait que ça a été un gros plus. Là. Avoir essayé de tout faire par moi-même, je serais encore en train de travailler là-dessus. Là. Fait que j'aurais jamais chassé avec la première année. Mais bon, ça a été un gros plus pour moi. Puis, j'utilise en grande partie les caméras Bolli et les affiliés d'eux. Donc, j'en avais plus d'une centaine là, un peu partout là, à différents usages, là, pas juste pour le chevreuil. Mais j'ai toujours beaucoup de plaisir à utiliser les produits. Puis ce qui est un autre qui est le fun, c'est que Mathieu est au Québec, puis il y a des produits dans ses gammes que j'aime pas ou que j'aime moins, puis je donne mes contraintes. T'sais, je peux dire c'est de la merde ça, il va le prendre, il va dire c'est correct, il y a toujours de l'amélioration, c'est des gens ouverts, ils savent qu'il n'y a pas de produit parfait sur le marché, mais au moins ils sont ouverts à dire ouais, OK, pour ton application, pour ce que tu veux faire, prends pas ça, prends ça. Parce que chaque produit a des situations où est-ce qu'ils vont être fonctionnels, puis ils sont excellents avec ça. Mathieu, il fait une super bonne job pour ça. Fait que pour mon utilisation, je trouve toujours le bon produit dans la gamme de produits qu'il offre pour selon si je veux faire de l'inventaire ou si je veux avoir du vidéo live, puis que même je peux me parler aux gens, là, comme je fais de la gestion phonique en ville, donc c'est pratique de dire hey, touche pas à mon piège. Fait que il y a des produits pour tout. Fait que c'est un gros merci à Mathieu Cheboli qui a été encore là tout le temps là, tout le long de la saison pour resetter mes affaires, rajouter des data dans mes cams cellulaires. Je me suis promené aux États-Unis, il y avait des cams qui fonctionnaient, en Alberta avec des cams qui fonctionnaient, c'est super le fun. Fait que ça fait le tour un peu de, si on peut dire, des gros noms avec qui j'ai travaillé cette année, puis des produits qui m'aident à performer. C'est super ça, Guillaume. Écoute, t'as fait ça comme un champion. J'ai mangé 15 secondes de ton temps, puis je t'en ai relaissé 15, puis c'est terminé. Fait que c'est génial. Écoute, ouais. Guillaume, je te remercie beaucoup d'avoir participé à la classique. C'était une première expérience pour toi en termes de bien des choses, puis vous avez relevé le défi d'une brillante façon, puis vous n'avez pas jamais laissé tomber. Tu étais là jusqu'à la fin, puis écoute, c'est ça la chasse, hein. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Puis... Ça a fini le 18 aux petites heures du matin. Pour nous autres, oui. Bon, ben ça marche. Un gros merci, Guillaume. Donc, passe une belle soirée. Bon, on se revoit samedi. Good. Super. Donc, on va faire rentrer Alexandre et Joss. On va faire rentrer les deux en même temps. Oui, non. Il n'y aura pas d'astinage. Hey, les boys. Yes, sir. Salut. Ben oui, ça va bien, vous autres? Ben oui. Êtes-vous prêts pour la grande finale? Oui. Oui, on est prêts. Josh est assis sur sa caisse à 24, là. Non. Non, voilà. On la prépare. Alex, bon, on est là avec toi, je pense. Vas-y. Je parle de chrono, Alex. Une question, Guillaume. Donc, quel équipement que tu as utilisé cette année que... Moi, c'est encore là, Alex? Là, mais... Ouais. Ben good. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que moi, je vais commencer. Là, je vais parler de deux affaires. Là. Une que Joss va compléter le plus là, parce que je sais qu'il va en parler. Premièrement, le saddle cette année, là, j'ai vraiment commencé à plus utiliser ça pour faire des moves agressifs de mobilité. Puis j'ai aimé ça là, parce que vu la légèreté du produit. Là. Puis ça, je vais laisser Joss continuer là-dessus tout à l'heure. Là, lui, je sais que ça c'est qu'il en parlait aussi. Mais sinon, là, ça va être vraiment... Là, moi, ça a été... on a fait un bon bout qu'on utilise des caméras cellulaires. Là, cette année, avec Trailcam Québec, on a eu la chance de tester.
on savait, ça fait un bout qu'ils sont sur le marché, mais d'utiliser là, pour ma part là, les Tactacam. Pour vrai, là, j'ai vraiment été surpris. J'avais entendu des bons commentaires par rapport à cette caméra-là. Là, c'est tout le temps est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Fait qu'on a, on les a mis à l'épreuve. On peut dire que ils ont passé les tests, pas mal tous les tests, là, côté batterie, côté fiabilité du réseau. Il reste juste à voir les tests à long terme là, par rapport à ça, parce que ça fait rien qu'un an qu'on les utilise, mais batterie, on les a utilisés en Ontario là, en late season, une température assez froide, là, puis la batterie durait assez longtemps là, pour une caméra sur un appareil. Okay. C'est pas mal ça. Là, je vois, là, il n'y a pas grand autre produit à parler. Ça a été ta révélation de cette année. Oui, ça a été pas mal ça. Là. Ça a été pas mal cette caméra-là là, que j'ai aimé travailler avec. Là. Assez simple à utiliser avec l'application. Puis, tu peux et tout partager. Comme Joss en Ontario, on avait chacun des caméras de Tactacam. Puis on peut les envoyer. Je sais qu'il y a d'autres caméras comme Bowley et tout qu'on peut faire ça, là, rajouter un membre, une autre personne. Là. Mm-hmm. Fait que ça, c'est pas pire, c'est un plus et tout là, quand on chasse en équipe. On plusieurs à chasser les mêmes spots. Là. Mm-hmm. Ouais, vous êtes entraînés beaucoup. Ben, vous avez chassé ensemble. Mais... Bon, on a chassé complètement ensemble. Là, fait que c'est ça. Ah, c'est super ça. Mais écoute, merci Alex de nous faire part de ça. Puis toi, de ton côté, Joss, m'a rajouté un peu de temps des fois. Que... Ouais, pas de trouble. Mais puis pour la caméra et tout, moi, j'habite dans un sale trou où est-ce que mon sel pogne même pas là, dans le coin de la ferme. Puis. J'ai été remarquablement surpris par le réseau de la caméra. Mm-hmm. Mon cellulaire, je faisais mes sites, puis il y avait zéro bord, il pognait zéro. Ma cam était là, puis elle a pogné tout le long, là, puis elle était là jusqu'à janvier, puis elle m'a envoyé chaque photo. Fait que agréablement surpris par le réseau. Disponible chez Trailcam Québec. Oh! Ouais, plaguez-les vos commentaires, c'est le temps. est-ce que l'application, ouais. On a une question juste de même vite, l'application est en français ou c'est juste en anglais l'application pour Tactacam? C'est en anglais, là. Je n'ai pas fouillé dans les paramètres s'il y avait l'option français, mais je ne crois pas. Là. Okay. Je sais qu'elle est super bien faite, l'appli. Là. C'est pas compliqué à faire rouler. Non, elle forme. Je ne suis pas bilingue de pantoute, puis j'ai compris comment que ça marchait. Super. Donc, toi, de ton côté, Joss, à part la Tactacam, t'avais-tu quelque chose qui te... Ouais, cette année, dans le fond, j'ai essayé deux nouveautés. Là. Je vais y aller premièrement avec le saddle. Ça, c'était nouveau pour moi, puis j'avais tout le temps une petite crainte. Tu sais, vu que t'es en 45, un peu dans l'arbre, les chevreuils vont-tu plus nous voir, pas moins nous voir? En tout cas, on l'a testé en Ontario, puis il n'y a pas une graine de feuille dans les arbres. En lettre, puis j'ai été surpris par la fluidité du mouvement. Tu peux te bouger comme juste un peu, puis les chevreuils ne remarquent pas. Puis pour vrai, c'était vraiment un plus pour les déplacements, surtout. Nous, on était tous sur des terres publiques, puis on ne voulait pas se faire déranger. On allait comme des shots un kilomètre et demi à travers le bois. Fait que. On l'a testé pas mal, puis c'est une affaire que j'ai rajoutée à mon arsenal pour les prochaines années, ça c'est certain, puis j'ai adoré. Et comme tu dis, Joss, c'est léger. Écoute, il n'y a pas un stand qui paye ça, là. Je veux dire, ça pèse 2 livres, là, un saddle. Là. Puis comme tu parlais tantôt... souvent, quand tu te places anyway, avec un saddle, mais tu as tout le temps l'arbre en avant de toi. Les chevreuils, tu essaies tout le temps de t'arranger que les chevreuils passent en avant. Fait, veux pas ta silhouette, là, même si tu dis que tu es plus loin, mais elle est coupée par un arbre. Là, fait que... Ouais, puis même les chevreuils arrivés de côté, mettons, si tu bouges pas, ils sont pas portés à te checker. Puis je l'ai testé devant une couple de femelles, mettons, j'étais. Un moment donné, je commençais à avoir mal à des places ou m'étirer, puis juste bouger ou pour changer l'angle de la caméra, puis ça attire pas l'œil si tu le fais tranquillement. Genre, c'est fluide, puis un peu comme mouvement. Fait, c'est pas comme saccadé. Ça. Un peu comme un arbre qui bouge tranquillement. Je suis resté surpris pour vrai. Puis c'est sûr que
que je vais rechasser, puis je repense à ça, puis c'est sûr que je le traîne au Manitoba aussi. Là. Ouais, on Manitoba, se déplace souvent, là, on en déplace des stands, là, puis c'est sûr que je le traîne là-bas. Ouais, Manitoba, ouais, c'est même, ça et tout, pas mal. J'ai déjà hâte de l'essayer. récolter, tu sais, au Manitoba, là, les autres qui ont déjà chassé là, là les, c'est pas des beaux arbres, des beaux érables directs comme ici qu'on a, là, c'est des érables, des, pas des érables, des trembles. Des trembles tout croches. Tout croches. Fait des bouleaux. On peut s'adapter à pas mal n'importe quel type d'arbre là aussi. Puis j'ai récolté mon boc, on peut dire quasiment grâce à ça, là, parce que mon arbre était tout croche, puis j'ai récolté, je me suis mis là, puis c'est ça, là, les pincées, puis vous allez le voir dans la soirée du 18, là, la grande finale. La récolte de ce boc-là. Ouais. Super ça. Puis Josh, t'avais-tu un deuxième affaire, tu semblais vouloir parler? Oui, puis t'sais, on fait des chaînes aussi depuis une couple d'années, puis j'ai essayé le premier mix que Luc m'en parlait pas mal. Il disait, Josh, je vais te faire un beau mélange. Puis pour vrai, ça a été un aimant là, à chevreuil. C'était tellement varié comme mix que, mettons, il y a des plantes qui étaient moins attirantes pour le temps de l'année, mais là, ils mangeaient les autres. Il y avait comme 5-6 variétés de plantes. Mm-hmm. Puis j'ai semé limite, là, comme 18 à août. Puis ça a fait un maudit beau mix vert. Puis ça a été super bon, là, pour vrai. Si j'aurais pas trop de pression à carabine, je l'aurais chassé à carabine aussi. Mm-hmm. Mais ça a été au-delà de mes attentes durant l'arc. Non, mais Colin, ben, en fait, c'est là qu'il faut en profiter. Hein. Tu connais l'adage. Ouais. quand tu sont en octobre chez vous, c'est là que tu as des chances après ça. Ah, et puis ça s'est passé beaucoup dans les premiers soirs, je te dirais. Ouais, la première passe. Hein. Les premières passes de chaque. Ouais. Bon, ben les gars, votre temps est écoulé, Alex. Il a comme donné du temps. Ouais. Il resterait 2 minutes. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Vas-y, 18, Alex. 18, un rendez-vous. Ouais, puis. Parle-moi d'un bon commentaire. C'est un rendez-vous, là. Le 18, là, ça va être une super soirée. Puis en même temps, j'aimerais en profiter et remercier Miguel là, de Trail Camp qui nous suit à fond là-dedans. Ouais. Bien, on va vous remercier, les gars, d'avoir fait partie encore une fois de la classique. C'est sûr et certain que c'est le fun de vous avoir parmi nous. Puis vous êtes. Quand on est tous des gars au même niveau, des filles aussi, de passionnés. Il n'y a personne qui a lâché, puis vous avez travaillé jusqu'au bout du bout, puis des fois, c'est brûlant d'avoir des saisons longues comme ça. On est découragés, mais vous avez tous bien fait ça, donc super content. J'ai une question pour toi, la question de te teaser un peu. Là. Ton boulot, il est-tu proche? Non, il est dans le salon. Il va l'avoir samedi. Mais ce boc-là, si je le pogne, je le fais rajouter au montage. Cette branche-là. Ah ouais. C'est super, les gars. On vous remercie beaucoup. Donc, on se voit le 18, c'est sûr et certain. On va tout être la gang de la classique ensemble pour vous présenter la grande finale. Avant d'aller vers d'autres personnes de la classique, on va tout de suite enchaîner avec une vidéo de chasse. Donc, on va y aller. On va regarder le vidéo le plus émotif pour la fin, là, celui de Thilou Mayo. Oui, on va y aller avec ma chasse à moi, puis le deuxième film qu'on va présenter tantôt, ça sera celui de Louis pour finir sans beauté. Donc, on y va avec ma chasse en Ontario de l'année passée. On se revoit tantôt. Yes. Je viens de prendre une triste nouvelle. Trentin mort, tiré à 1,5 km d'ici. Je me doutais bien qu'il finirait pas se faire tirer. Là. Il se présentait trop. Sauf chez nous, évidemment. Il s'est présenté au début du rut. Avoir une carabine dans les mains, il serait déjà mort, mais j'ai un arc, donc. Mais je vis bien avec ce fait-là. Ça me dérange pas. T'es mort d'arc maniaque. En tout cas, pour ma part. Change de province. Ontario, on se décourage pas. J'avais une petite montée de lait à faire. Je l'ai faite. J'ai quand même eu un peu d'action. J'ai vu des bocs, des jeunes bocs en masse, des 2,5. Mais, je pogne mon tag puis je le déchire un soir, c'est fini. Ciao. Yes, game on en Ontario. Il y a un beau boc ici, là. C'est un gros 8 qu'on appelle Willy. Cet boc-là, il se promène, il se tient de l'autre côté, puis ici. C'est pas fini, tac, c'est pas fini. On s'assoit puis on chasse.
C'était pas vraiment plus loin qu'on l'avait entendu. C'est là, Hugo? Il a l'air fini, mais... On vient de tomber dessus. Je suis tombé vraiment nerveux parce que là, on était dans la roulotte, on buvait des rames, c'était bien le fun, là. Sauf que je voyais la neige s'accumuler au sol, puis maudit que, tu sais, j'ai eu une mauvaise expérience en Illinois avec la neige qui tombe, puis ça efface les signes. Puis effectivement, on est parti nous autres. Je suis arrivé à la shot. Puis là, je voyais plus rien. Je paniquais un peu. Mais là, Dave, on s'est splitté à trois. On savait qu'il n'avait pas été loin parce qu'on ne l'avait pas entendu super longtemps après. Et on l'a trouvé, il est là. Je suis vraiment content d'aller voir ça. Puis, ça dit quoi, proche? Ouais? Yes, man. Yes, yes. On va aller voir ça. Hop, ben. C'est lui, hein? Ah. Ah, il est mort depuis un bout, là. Ça a sorti ici, en bas, là. On est mieux. Jamais mieux. Toujours mieux de prendre de chance. Pas prendre de chance. Hein? Je suis content. Premier bug de l'Ontario. Yes! Hey, j'étais vraiment content. J'ai coupé ce cours un peu pour ne pas étirer trop la sauce. On a laissé l'important là. Donc, on a pu voir un compétiteur de cette année dans cet épisode-là. Justement, c'était le compatriote du prochain qu'on va faire rentrer avec nous, soit Charles Boris. Charles, on te fait rentrer à l'instant. Salut Charles. Salut Charles, ça va? Salut, ça va très bien, merci. Puis vous autres? Ben oui. On est fébrile, Charles, à l'approche de la grande finale. On a hâte de présenter. Tu as travaillé très fort, je le sais, pour toute l'année, Colin. Puis là, les gens vont pouvoir voir le fruit de ton travail samedi prochain. Ben, le fruit du travail de tous, mais là, comme toi qui es avec moi présentement, ben, je tiens à parler de ta ténacité. En tout cas, on t'a surnommé le marcheur blanc. Ben, tu vas garder cette arme-là en tabarouette. Le gars qui n'a pas peur du froid. Donc, Charles, parlant de foi, justement, je ne sais pas si tu as décidé d'aller un peu vers ça, mais on te posait la question aux gens, qu'est-ce qui a fait la différence pour eux cette année dans leur équipement? Donc, je te laisse continuer pour ça. Ben, dans mon cas, c'est pas compliqué. Ce qui a fait la différence, je vais vous le montrer, c'est ça ici, là, des semelles chauffantes. Puis, c'est pas un commanditaire. Là. Je ne tiens pas nécessairement à mentionner le nom de compagnie, mais il y en a plusieurs. Pour faire de l'affût au grand froid, il n'y a pas de secret. Ça prend quelque chose au pied. Des hot shots qu'on met, on enlève les bottes, on les met, c'est pas terrible parce que ça ne dure pas assez longtemps, ça prend de la place dans la botte. Si on veut les mettre avant, on transpire, j'ai tout essayé. Puis des semelles chauffantes, ça sauve la vie. Quelqu'un qui gèle des pieds, c'est pas compliqué, il ne peut pas toffer. Ce qui fait que toffer au froid, beaucoup de parties du corps, on est capable de rajouter des pleurs. Mais au pied, malheureusement, on n'est pas capable. Puis t'as beau avoir les meilleures bottes, j'ai tout essayé les bottes sur le marché, il n'y a aucune botte qui ont rempli mes exigences. Ça prend des semelles chauffantes. Je me suis même acheté déjà pour l'année prochaine des gants chauffants.
parce que je me suis rendu compte aussi, pour toffer justement, le fait qu'on, nous autres, on est des cinéastes de chasse, ben on doit garder une bonne dextérité des mains. On peut pas porter des gros gants ou des grosses pitaines, donc on porte des petits gants à sport. Moi, je les faufile dans mes poches, là, avec deux hot shots dans chaque poche, je tourne. Mais le problème arrive quand il fait moins 37 au vent, là, puis tu veux sortir les mains pour manipuler, même avec un petit gant, ça endure pas longtemps. Fait que là, cette année, je vais être prêt encore plus, je vais être encore plus patient. Puis je voudrais juste peut-être profiter là, de mon petit 5 minutes pour remercier nos commanditaires, en particulier Construction Nexus, par l'entremise de Richard Nadon, qui a fait d'ailleurs le montage vidéo de notre production. Vous allez voir le 18, on est super satisfaits. J'ai hâte d'avoir les commentaires des gens là-dessus. Je remercie mes autres commanditaires, Beautech, j'ai adoré travailler avec eux autres, Jonathan Vaillancourt chez l'agence Triomphe, Vortex. Puis une petite dernière parenthèse, la Flex de SpyPoint. Bien content de la nouvelle caméra. Ce que j'aime particulièrement, c'est la définition, la qualité des photos qu'ils nous ont envoyées. Nous permet une meilleure évaluation des fois des sujets ou des sujets qui sont éloignés de l'objectif, contrairement à d'autres modèles un petit peu moins dispendieux des fois, qui ne permettaient pas cette définition-là. En gros, ça fait le tour. Puis je voudrais remercier aussi toute la gang de la classique. J'ai adoré faire partie de l'édition, la deuxième édition. J'espère que samedi, on va être nombreux, vous allez être nombreux, le public, là, pour regarder ce qu'on a produit. Parce qu'on a produit, je parle en particulier du film que nous autres, on a fait, mais j'ai vu une partie du travail des autres. C'est pas compliqué, c'est du jamais vu au Québec. C'est digne de n'importe quelle grande production vidéo qu'on peut avoir vue à travers le monde, de la chasse au chevreuil en Amérique du Nord. Moi, je suis fier, puis je sais que vous êtes fiers, puis j'espère que les gens vont être en grand nombre pour nous encourager, nous démontrer qu'au Québec, on est capable de faire des bons films. Venez nous appuyer samedi le 18. Hey, Raph, Charles, tu finis sur une excellente note. Oui. J'avais peut-être une petite question, Charles, justement, sur les batteries. Je voulais en revenir à ça. Tu sais, souvent, il y en a qui ont des semelles chauffantes, puis ils se demandent un peu comment les utiliser. Tu sais, je pense que faut y aller progressivement parce qu'il y en a beaucoup que après 2 heures, ils n'ont plus de batterie. Fait que, tu sais, dans le fond, tu les utilises quand tu commences à geler. Là, je veux dire, Non. Ça dépend du nombre d'heures que tu passes sur stand. Ouais. Tu sais, exemple, en novembre, là, Manitoba à Alberta, c'est du 8h30, 9h de tri-stand à ne pas bouger. Tu sais, il y a des blocs piles comme ça qui se vendent avec. Là. Il y a, essayer de rapprocher la caméra. Il y a 3 intensités. Ouais. Puis c'est indiqué le nombre d'heures selon les puissances utilisées. Moi, la puissance, la limite la plus basse, autrement dit, je ne la brûle pas dans la journée. Donc, c'est pas un problème. Puissance médium, je pense que je vais faire autour de 6 heures. Fait que c'est rare, je ressens le besoin de l'utiliser à puissance médium. Puis au max, jamais je vais l'utiliser. Fait que c'est vraiment facile à utiliser d'une façon raisonnable. C'est des équipements qui se vendent aussi pour les gens qui font de la motoneige, le ski de fond, ski alpin, etc. Là. C'est sûr que la seule faiblesse d'un modèle comme celui-là, la batterie est relativement grosse, mais pour ne pas geler, je traînerais quasiment une génératrice, moi. Fait que c'est génératrice avec un bidon de gaz. Oui, exactement. Ah, mais c'est super. Écoute, Charles, on te remercie d'avoir fait partie de l'édition cette année. Oui. C'est sûr et certain qu'on est toujours content de jaser chevreuil avec toi. Tu es quelqu'un qui roule sa base depuis tellement longtemps. Pas un pionnier, mais tu as une certaine renommée dans la chasse au chevreuil, puis c'était le fun de compétitionner avec toi, parce que je sais que tu es un gars qui veut gagner, puis on voulait tous gagner, mais c'était le fun de compétitionner avec des gens qui étaient un peu plus connus, comme toi d'ailleurs, Luc Brodeur, puis avec les autres, ben, on était tous un peu au même niveau à essayer de compétitionner avec les grands noms de ce monde, fait que ça a été super le fun. Ben, ça m'a fait plaisir, puis l'avenir nous le dira si on se reprendra l'année prochaine. Yes. Simplement, on va. Hey, bonne soirée tout le monde. Yes. Merci beaucoup, on Charles. On se voit samedi. Charles. Bye-bye. Super. Bye-bye. On passe à notre ami. Yes, il reste Luc et Samantha. Donc, on va peut-être faire Luc et Samantha tout de suite avant d'enfiler, d'enchaîner avec le film de chasse. Puis, ouais, puis on finira avec toi après. Je finirai avec moi tout simplement. Donc, parfait. On continue avec. On va faire entrer Luc. Je vais partir son 5 minutes. Salut Luc, comment ça va? Hey, salut, gars!
C'était-tu le fun de revoir les images de l'année passée? C'est toujours plaisant, puis on s'en lasse pas. Hein? C'est vraiment des souvenirs qu'on va... En tout cas, j'espère qu'on aura la chance de, à très long terme, de s'asseoir puis de profiter de ces images-là encore là, plus tard. Là. Ah, c'est sûr, certain, d'après moi. Ça... C'est des beaux souvenirs. On a des demandes de certaines personnes pour avoir l'édition 2021 qui n'ont pas pu voir, donc sortira un coffret DVD. Moi, en tout cas, l'image, quand tu as monté ton film, Raph, ça m'a rappelé des maudits beaux souvenirs quand on allait te rejoindre avec Tommy. Ben oui, ça, on n'a pas montré. Ouais. Non, écoute, ça a été, moi j'avais, c'est une des parties que j'ai trippé le plus. On s'était tous rejoints au petit camp. On avait été chercher le chevreuil à la gang. On avait vraiment trippé. On avait pris un petit verre ensemble. Rien de ça. Vraiment plaisir. C'est ça la chance. Petit verre. On a été super raisonnable. Un petit verre. C'était vraiment ça. Mais c'est rare qu'on a la chance d'être tout le monde ensemble, puis de collaborer, puis d'échanger. On compétitionne. Je le disais avec Charles tantôt. On compétitionne, mais en même temps, on aime tout ça quand quelqu'un de la gang récolte un chevreuil. Puis de pouvoir le partager avec les autres, c'est on apprend à se connaître dans ces moments-là. Puis c'est ça qui crée une belle relation. Puis en tout cas, moi, je trouve que c'est ça qui a été vraiment plaisant dans le classique. Vraiment. Je vais te mettre au défi, Luc. Je pense que je vais te demander de rester pour le prochain film, puis je veux pas que tu verses une lampe. Écoute, je les ai vus plus souvent que vous autres, puis... Ça vient te chercher encore, hein? Et bataille, je vais te dire que, tu sais, j'ai chassé cette année dans le classique, là, ça faisait 7 ans, je pense, que j'avais pas chassé, là. Puis je me suis jamais ennuyé pendant ces 6-7 ans-là. J'ai trippé... J'ai vraiment trippé ma vie avec les jeunes. Là. On a vraiment eu des expériences incroyables. Des beaux moments. Tout sur vidéo. Mathilde, la même chose avec son mâle. Tommy avec 2-3 de ses mâles. Dans le fond, Tommy, toutes ses mâles sont toutes filmées. Fait que c'est des souvenirs incroyables. Fait que ça, c'est vraiment des beaux moments. Ah, clairement. Puis d'avoir mis ça sur vidéo, c'est ça. Ouais. Vas-y, on continue. On pose la même question que les autres. Quel équipement cette année qui t'a aidé pour la classique tes chasses? Deux choses. La première, elle ne sera pas bien longue. C'est la première année que, moi, vous le savez, les Tristan, c'est tout installé le printemps. À partir du mois de mai-juin, tout est installé, mes lignes de tir sont faites, tout est fait, les deux stands doublés. Cette année, je me suis équipé parce que j'allais en Ohio. Fait qu'on s'est équipé de Tristan, des Tristan XOP. Qui était super léger, puis qu'on pouvait traîner sur le patiac pour faire des longues distances. Ça, j'ai aimé ça. Puis d'ailleurs, c'est avec cet équipement-là que Tommy avait tiré son gros box cette année. Là. Ah bon? Il s'est installé 1h30, 2h avant le tir. Puis il y avait un feeling que ça se passait là. Puis c'est un Tristan. On est parti, il est allé s'installer. Fait que ça a été un outil vraiment excellent. Puis l'autre outil que les gens vont voir s'ils viennent voir la. S'ils viennent voir le 18, la finale, vous allez voir un outil de travail qu'on a développé, dans le fond, une technique qu'on a développée. Puis avec cette technique-là, on a récolté 3 chevreuils à l'arc en 3 soirs, dont le gros bac à Tommy. Fait que ça a été vraiment... Puis je ne veux pas dire exactement c'est quoi. Je veux laisser le monde, par curiosité, vienne voir le 18. Là. Venez nous voir le 18, vous allez voir que ça a été une technique sacoche. On a eu vraiment des beaux résultats, puis on l'explique tout dans notre film. Fait que viendrez voir ça. Fait que ça, c'est vraiment, je vous dirais, les deux aspects les plus importants qu'ils ont vraiment donné du succès cette année. Ah, mais Colin, puis t'as pas parlé de premier mix, mais sûrement que ça a fait partie de tes stratégies puis de tes découvertes. Ben, c'est toi qui as fait le mélange puis que tu as dû aimer voir le résultat de ça. C'est sûr qu'il vient un temps que j'en parle tellement que j'ose plus en parler, là, mais effectivement que le premier mix, dans le fond, Lobster, mon mâle à moi. Et il s'en venait carrément dans le champ nourricier. Là, et c'était le premier bac que je voyais le dernier soir. Là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il ventait beaucoup. Il y avait de la neige. Puis c'était froid. C'était désagréable dans un système. Puis à 2h30, le premier chevreuil que je vois, je me vais. Puis il s'en venait direct dans le champ nourricier, dans le premier mix. Il était labouré. Écoute, dans la neige, je ne pouvais pas lancer un 25 sous sans accrocher une trace de chevreuil. C'était tout pisté à grand là. Ouais, il devait plus, ça devait être botté vraiment en ras, là. Ça devait plus rester grand-chose. Mais la beauté de ce mélange-là, c'est que malgré qu'il faisait froid, ça repoussait continuellement. C'est des plantes hyper résistantes au froid, fait que c'est ça, j'ai adoré ça. Écoute, le 15 décembre, là, c'était en pleine croissance encore. C'était vert en pleine photosynthèse, fait que
Ça, c'est de quoi j'ai vraiment apprécié du mélange. Fait que, effectivement, c'est un autre outil qu'on n'avait pas les autres années parce que c'est une nouvelle terre qu'on a. Puis cette terre-là, c'est la première année qu'on avait des chiens nourriciers. Puis effectivement, ça l'a attiré beaucoup, beaucoup de chevreuils. Beaucoup de signes de mâle autour du chien. Puis on voyait beaucoup de chevreuils tous les soirs. Là. Fait que ça, c'était motivant. Là. Fait que, écoute, ça a été vraiment... Moi, pour ma part, ça a été une de mes meilleures saisons depuis longtemps. Malgré le fait qu'on voit qu'il y a une dégradation, là, mais ça a été vraiment... ça a été une belle saison en soi. Là. On a vu du gibier, puis on a fait des belles images. Le film... tu l'as vu, là? Oui, je l'ai vu. les gens vont capoter. Non, c'est... Tu sais, les émotions que vous avez vécues avec Mathilde, que vous avez vécues avec Louis, mais cette année, vous allez le vivre avec Tommy. Écoute, c'est écœurant, là. Fait que... ça va être de quoi avoir. Soyez des nôtres, le 18, en bout de ligne. Oui. Et moi, avant de finir mon 5 minutes, Raph, j'en profite pour remercier notre commanditaire, Alain Ferland-Sport, qui était très présent tout au long de la classique. Puis remercier aussi vous autres, la gang, vous avez fait un super job. C'est toujours le fun de travailler avec vous autres. Puis remercier Dan aussi de TFCP qui est producteur de la classique. Sans tout ce monde-là, la classique n'existerait pas. Puis je vais être honnête avec vous, Charles l'a dit tantôt, c'est de très haut niveau. Manquez pas ça le 18, vous ne serez pas déçus, c'est vraiment de quoi d'agréable. Des belles images. C'est super ça. Écoute, merci à toi, Luc, d'avoir fait partie de la classique encore une fois cette année. On était tous une gang, puis chacun avait... On était tous importants dans la classique, à différents niveaux. Puis comme j'ai dit à Charles, de compétitionner avec toi, ça a été super le fun aussi. Donc, en tant que chasseur cette année, en plus. Ouais, en tant que chasseur, c'est ça. Il se faisait longtemps. J'ai vécu des belles émotions, c'était vraiment plaisant. Non, ben c'est super, Luc. Un gros merci, puis on se revoit samedi. Super! Yes, on va faire rentrer Samantha pour... qu'elle nous parle de... Salut, Sam! Ça va bien? Ben oui, ça va bien, vous autres? Ben oui, on n'a pas eu la chance de se parler avant le live, mais tu as saisi un petit peu l'essence même de tout ça. Donc, qu'est-ce qui a été pour toi, pas un game changer, mais une belle découverte ou quelque chose qui t'a vraiment aidé dans ta chasse cette année? Oui, fait que dans le fond, je vais aller un peu dans la même ordre d'idées que les autres. Je pense que la mobilité, c'est vraiment important pour ce qu'on fait. On chasse un peu partout, puis veux pas. Quand que je vais au Michigan, je peux pas aller mettre des stands au printemps nécessairement. Non. Fait que j'arrive là, puis surtout sur les terres publiques, en plus, là, on peut pas le faire. Mm-hmm. Fait que on n'a pas le choix d'être mobile. Fait que le saddle, ça l'a vraiment été. C'était ma deuxième année avec le saddle, puis encore une fois, là, j'ai vraiment aimé beaucoup. Surtout étant peut-être moins forte qu'un homme, de charrier un stand ici et là, c'est presque pas faisable à un moment donné. Là, fait que le salon, là, c'est super convivial pour ça. Puis en plus, cette année, ce que j'ai réalisé, c'est que c'est vraiment important de pouvoir transporter tout notre équipement. Avec le saddle, ça l'aide parce qu'on peut le porter, mais il n'y a pas juste le saddle. Il y a des sticks, il y a la plateforme. Il y a la caméra, le bras de caméra, la GoPro. À un moment donné, ça finit plus de finir. Est-ce que tu as embarqué sur la balance, voir combien ça totalisait en poids, tout ça, pour le fun? Non, je ne l'ai pas fait, mais il faudrait que je le fasse pour le fun. Ouais, curieux, non, pas jamais avec tout mon équipement de chasse. Je pense qu'on avait pesé le stern avec les sticks. On était autour de 40 livres, me semble, là, quelque chose comme ça. Là. Me semble, peut-être un peu plus bas, là. Mais je sais qu'on était en bas de. On avait regardé pour quand on partait en avion, on voulait être en bas de 50 livres, puis on était correct. Là. On était correct avec deux stands, les sticks, je me souviens plus. Bref, on n'embarque pas là-dedans, je ne veux pas voler ton temps, Sam, je te laisse aller. Hey, mais juste comme ça, est-ce qu'au Michigan, tu étais obligé d'enlever ton stand à chaque jour? Tu peux comme pas laisser over the night, tu es supposé. Oui, sur les terres publiques, tu peux pas rien laisser, puis tu peux pas rien visser dans l'arbre non plus. Là. Fait que, tu sais, c'est vraiment, il faut tout que tu enlèves. Fait que tout ce que tu emmènes, tu enlèves. C'est sûr qu'au Michigan, j'ai aussi chassé sur des terres privées. Fait que j'ai pu laisser mes affaires quelques fois. Là. Mm-hmm. Fait que ça m'a laissé une chance. Là. Mais non, sur le public, il faut tout enlever. Fait que, c'est... Chez vous, dans le fond, tu as beaucoup chassé avec ton saddle, je pense. Tu n'as pas vraiment de peine préétablie. J'en ai trois stands préétablis. Ouais.
Mais ce que je fais souvent, c'est que j'ai chasse comme les premiers matins, les premiers soirs pour savoir, bon, c'est où ce que je m'installe. Puis après ça, j'y vais en saddle un petit peu plus agressif. Je me dis, bon, ben là, ils sortent tous de là dans le champ, fait que je vais aller dans le bois, me rapprocher du bedding, tu sais. Fait que ça m'a permis d'être plus agressif cette année. L'année passée, j'ai été moins agressive un peu, là. Cette année, on dirait que j'avais quelque chose de... ça me poussait à être un petit peu plus agressive, là. On a vu, on peut voir dans ton film que tu vas présenter samedi, la progression un peu au Québec que tu semblais vouloir, tu te rapprochais de chaque fois, de fois en fois, tu t'espérais, puis ça a passé proche bien des fois avec cette tactique-là. Je ne sais pas à combien de mètres tu t'es rapproché de Slim, bon, à part la fois en novembre, avant ça en octobre. Il me semble qu'il y a des fois qu'on le voyait, il n'y avait pas de l'air si loin, mais si on parle de combien de mètres, 50, 60? À peu près 50 mètres. À chaque fois, je me rapprochais. Le premier matin, je l'ai vu à l'autre bout du champ. En tout cas, on va tous voir ça. Là. Fait que, je me rapprochais, puis on le voit un petit peu. Là. C'est sûr que je n'ai pas tout pu montrer. Là, mais... Non, on est resté dans le temps. C'est ça. Fait que, non, j'ai hâte. Non, c'est vraiment bon. Là. J'ai hâte de tout voir vos films aussi, le Duc, là, parce que ça me donnait des frissons. Regardez le mien, j'en revivais comme les moments, le moment. Là, clairement. Quasiment les larmes, mon Dieu. Ah oui, ah, d'accord. Mais il y en a peut-être qui vont avoir une certaine larme, parce que je veux dire, tu as vécu c'est des hauts et des bas, la chasse, puis veux pas dans la classique, d'autant plus qu'on se met de la pression, énormément de pression. Quand on vit des échecs, des fois, Colin, que c'est tough, puis tu en as vécu une, tu sais, tu étais si près, puis en même temps. Si loin, Colin, c'est triste. En tout cas. Avais-tu autre chose parmi ton équipement, Sam, que tu as utilisé cette année? Ben, c'est sûr que j'en ai utilisé beaucoup. Là. J'avais des nouveaux sticks, les mini-sticks XOP que j'ai achetés. Que dans le fond, ce que j'aimais aussi, c'est mon sac à dos que j'ai acheté cette année. Il était fait pour. C'est vraiment la même compagnie que mon saddle qui le fait, Trophy Line. Puis c'est le Palisade Pack qui s'appelle. Ok, tu l'as acheté. Dans le fond. Oui, c'est ça. Puis il est comme. Il est fait rigide. Fait que quand tu mets toutes tes affaires de caméra dedans, il n'y a rien qui brise parce que l'extérieur est rigide. Puis le devant, il y a comme une place pour mettre ta plateforme qui est faite pour ça. Puis ses côtés, tu peux mettre tes sticks. Fait que tu as tout. Dans le fond, tout ce que tu as dans tes mains, c'est ton arc. Fait que c'est vraiment. Fait que tu rouvrais ça, t'arrivais là, puis tout était, il n'y avait rien qui s'était déplacé. En dedans, c'était-tu comme padé un petit peu? C'était-tu pour pas que le stock se fracasse ou si? Pas vraiment, mais j'avais tout le temps, tu sais, je pouvais jamais porter tout mon linge pour rentrer. Ah, parce que tu mettais sinon, ça là-dedans, mais oui. C'est ça, je le mettais un peu pour mettre un coussin, là, pour pas que tout brise, là, fait que... Marcher avec ça, des pets de linge sur le dos, avec tout ce stock-là, puis installer ta saddle, là, ça marche pas, là, fallait c'est... faire ça en étapes, c'est clair. Ouais. Ah, ben c'est super, Sam, écoute, les 5 minutes étaient écoulées, je suis vraiment content qu'on ait eu des filles cette année dans l'édition de la Classique. Je tiens à vous remercier. On vous remercie d'avoir fait partie de ça. Vous avez été des compétitrices hors pair. On s'est fait chauffer le derrière toute l'année par vous autres. On vous voyait aller, puis on était sûr certain que tôt ou tard, ça allait arriver. Puis c'est arrivé un peu sur le late, dans le fond, pour l'équipe de Team Arrow. Mais un peu comme Team White aussi, je veux dire, on a végété pendant un bout parce qu'on passait proche, mais on n'était pas capable. Puis c'est ça la beauté de la chasse aussi qu'on va démontrer dans la finale de samedi. Tous les efforts qui ont été mis de l'avant par Sam, tu as chassé à plein d'endroits, tu as chassé au Québec, au Michigan, en Ontario. Colin, tu t'es donné. Là. T'as pas... Oui, vraiment. J'étais fatiguée à la fin. Là. Ah, je te comprends. Je te comprends. Ouais, parce on l'a tout vécu. Là. faire ce que tu fais, de chasser de façon... toujours être agressif, de te déplacer, ça demande beaucoup plus d'énergie que d'être statique, ça c'est sûr et certain. Ouais. À chaque fois tu montes, démontes, tu tasses. Hey, c'est puis de juste penser à tout ça aussi, là, bon, ben, je m'installe où, c'est une nouvelle place, c'est demandant, mais tu sais, c'est... Le hamster, il arrête pas bien. Rajoute le système de caméra et tout ça avec ça. Là, puis... Ouais. Bon, peut-être, je veux aussi juste remercier notre commanditaire, Sean de chez Arrow, là, il nous a tout aidé à monter nos arcs. Il a checké l'arbalète à Steph pour être sûr que tout était sa coche aussi. Là. Puis on l'a vu, là, ça l'a fait la jump parce qu'il y avait des gros quel, pills, là, quel fait que, ouais. Sharp shooter. OK, ben oui, évidemment, sans eux, la classique n'aurait pu être possible. Donc, on va les remercier, c'est sûr. Certains Arrow Service d'Archerie qui sont situés à Sherbrooke. Ils vont déménager, là.
Ah ouais? Demain, ils sont fermés. Là, ils viennent de mettre ça sur les réseaux sociaux. Là, c'est pour ça que j'en parle. Okay. Ils vont être fermés demain, puis ils déménagent à Magog. Okay. Ils ont peut-être l'acquisition du Pro Nature avec un autre partenaire. Là. Fait okay. qu'à partir du 22 mars, là, ils vont être situés à Magog. Là. OK. Bon, ils vont changer d'endroit. Donc, ouais, quand on aura l'adresse finale, on pourra en parler. Bon, mais écoute, un gros merci, puis... on se revoit samedi, Sam, sans ouais. faute. Oui. Ouais. Super, merci. Bye bye. Merci. Bye. Good. Donc, Eric, il nous reste une vidéo de chasse. Je pense qu'on est rendu au moment immovable de la classique. C'était ce vidéo-là a tiré une larme à bien des gens lors de la finale. Oui. Le petit Louis a vécu beaucoup d'émotions accompagné de Luc, son frère, pendant qu'il a chassé l'année dernière. Bref. Puis on tenait à présenter cette vidéo-là en dernier pour le niveau d'émotion qu'il y avait dedans. Donc, la classique Whitetail, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous attend? Bien, regardez le beau vidéo qui suit, puis la finale qui va être le samedi prochain. Ça va être aussi bon que ça. Peut-être pas aussi émouvant que de voir cette... En tout cas, je vous laisse. J'en dis pas plus. Je pars le film. Yes. Yes, yes.
je vais le récupérer. C'était débile. Lundi le 15 novembre, c'est ma troisième journée que je chasse à carabine. Là, on cherche le même individu, Tika. On le sait qu'il est dans le coin, il rentre de jour, faut juste être à la bonne place au bon moment. Là, on l'attend avec impatience, pis hier, j'ai laissé passer un mâle de 3 ans et demi. Vous allez pouvoir le voir, on a réussi à le filmer. Là. C'est vraiment un beau mâle. C'est la première fois qu'on le voyait. On l'avait proposé sur nos caméras. Fait que aujourd'hui on est à un autre endroit. On va espérer que Tika va venir au bon moment. Puis on attend avec impatience. Oh,
s'en allait, là. J'avais pas le choix, là. C'est fait! Il est vraiment bon! Il est gros! C'est gauche, hein? Ah, c'est gauche? Ouais, c'est gauche! Il est pareil à celui-là que t'as tué, l'autre, ton premier. Ouais, c'est plus gros, ça. Oh non, il est pareil. Il est beau, là. Il est vraiment gros. Ah, ça met des points dans le classique, celle-là. Ouais, tu peux t'en venir, je l'ai faite, il est gros! C'est gauche! Je pense que c'est gauche! T'es-tu content? Oui, il est tombé droit. Il est droit à la bonne place, il l'a pas vu tomber, mais il a penché par en avant quand j'ai tiré. Hey, je l'ai entendu tirer, je m'en allais à mon char, j'ai même stoppé dans le chemin, j'ai dit « Ah si, t'es-tu content? » Oui, je suis content, Chris. Il est gros. Pourquoi tu pleures? Non, non, je suis content, c'est pour ça que je pleure. Oh, je m'en viens, j'appelle Luc, j'arrive, ok? Parfait! Bye! Bon, ben là, ça fait une heure que je viens de tirer mon bar. On est retourné à la maison, on est allé changer, on est allé chercher les cornes. On est allé chercher l'équipe pour chercher avec nous autres. Fait que. On a des très. On a revisionné le tir, puis le tir il est parfait. Fait que, on a des très bonnes chances, puis on s'en va chercher ça. Les cornes de l'année passée. Il est vraiment beau. Il est beau, hein. Bon, ben, c'est ça qui conclut ma super belle saison 2021. J'ai commencé par récolter ma femelle à l'arc. Après ça, j'ai eu des rebondissements, mais après ça, j'ai switché à carabine. Aujourd'hui, j'ai réussi à récolter mon buck. Il est rentré sur le ground. C'était une expérience de fou. Ça rajoute des points dans le classique. Puis Sweet November nous a apporté des belles choses. Pour l'histoire des bucks, j'ai laissé passer des beaux individus. J'ai eu des jugements par rapport à ça, mais en laissant passer des mâles comme j'ai laissé passer, on arrive à des résultats comme ceux-là. L'année passée, ma mère, elle l'a laissé passer, ce mâle-là, à 3,5 ans. Cette année, il est vraiment beau, puis j'ai réussi à le récolter. Fait que c'est ça le résultat que ça donne. On finit tout ça, c'est une belle note. Puis si, je veux dire, un jeune, Louis, il avait-tu 12, 13 ans l'année passée? Je me souviens plus tout à fait, mais... Les dernières phrases qu'il a dit, c'est en laissant passer des mâles qu'on obtient des résultats comme celui-là. Si un jeune de 12 ans ou 13 ans, je ne me souviens plus son âge exactement, est capable de comprendre ça puis de l'appliquer, pourquoi? Tu sais, je veux dire, tout le monde est capable de le faire là, en soi. Là. Puis le RTLB, la qualité, l'avenir qu'on veut laisser à la chasse au Québec, moi, nos enfants, là, on veut qu'ils vivent des belles émotions comme on a vécu quand on était jeune et comme Louis a la chance de vivre aussi. Mais c'est malheureusement plus le cas à bien des endroits. Donc, ça va prendre une certaine pression du RTLB, ça va prendre un certain mouvement de la population, un engouement, démontrer clairement que nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir une qualité au-delà de quantité.
Donc, c'est des termes qui se ressemblent, mais qui sont nettement différents. Puis donc, il l'a fait 4 fois dans sa saison, c'est pas pour rien. Je veux dire, comme tu dis, Raph, il a laissé passer 4 bocs de 3 ans et demi. L'année d'après, sont là, ces bocs-là. Ils sont là. Donc, c'est un petit peu le petit volet de gestion qu'on voulait apporter, mais sur ça, on va y aller avec une note un peu plus festive. Donc, c'est ça qui vous attend samedi prochain. On veut que vous soyez là en grand nombre. Venez nous écouter, venez nous encourager. Le plus beau show de chasse aux chevreuils au Québec. Puis, ce que vous avez vu là, c'est des très, très belles images, mais on a remonté d'un cran encore cette année. Donc, on essaie toujours de surpasser d'année en année. Fait que ça vous donne une idée un peu de ce qui vous attend. Donc, c'est rendu à mon tour, Éric, de parler. Je prendrai pas beaucoup de temps parce que j'ai pensé à ça, puis j'étais là, voyons, qu'est-ce qui m'a... Puis, je suis pas un gars qui achète beaucoup de choses. J'étire mon stock. J'en dirais que j'ai des valeurs sentimentales pour tout. Fait que je me suis posé vraiment la question. Puis en bout de ligne, mon équipement, ce que je veux dire par rapport à ça, ça a été ma patience plus qu'un équipement ou n'importe quoi. Je n'arrive pas à mettre de mots sur un équipement. Ma trad, oui, c'est correct, j'étais vraiment content. Mais c'est la patience qui m'a permis de récolter ce chevreuil-là dans le fond, puis de la résilience d'être capable de garder l'arc traditionnel dans mes mains jusqu'au bout. J'étais prêt à mourir avec ça. Donc, c'est surtout ça, la patience de ne pas aller chasser. T'sais, j'ai pas pu chasser beaucoup cette année versus les autres années. Ma situation familiale n'était pas la même. Donc, j'ai essayé d'être plus précis à chaque fois que j'y allais. Y aller moins, mais d'être beaucoup plus stratégique dans les fois que j'y allais. Ben, des fois, Raph, tu dis, la saison est courte. Si, des fois, c'est sûr qu'on se dit, ben là, je ne peux pas y aller une journée, ben... C'est plate à dire, mais il y a des journées qu'on est peut-être mieux de ne pas y aller justement parce que ce n'est pas des bonnes journées. Effectivement. Puis là, comme notre saison au Québec, ils nous ont raccourci ça de façon, ils ont agrandi la carabine et rapetissé l'arc. Mais les chasseurs d'arc ne se retrouvent plus vraiment là-dedans. Donc, notre saison est tellement courte qu'on se dit, hey, Colin, je peux pas manquer ça. Mais malheureusement, des fois, il faut le faire. Puis c'est à notre avantage. Des fois, ça peut être à notre désavantage parce que il peut passer quand tu n'es pas là parce que pour une raison. Moi, dans le fond, je dirais plus ténacité. Là. Je vais aller plus avec le mot ténacité, là, de résilience, justement, de ne pas avoir lâché comme tu as fait. Ça aurait été facile. Écoute, tu as une RX-7 chez vous qui t'attend. Elle est pendue, là, elle attend de tirer sa première flèche parce que je n'ai pas tiré une flèche l'année passée. J'ai comme l'impression qu'elle va attendre encore une autre année. Non, je vais tirer genre les 2 armes cette année. Je vais vraiment m'exercer, mais je vais en profiter moi aussi pendant qu'on a la vitrine pour remercier Hoyt, dans le fond, de nous avoir fait confiance encore cette année. On a été à la hauteur de ce qu'on voulait présenter comme image pour la chasse à l'arc. Je pense qu'on est des bons représentants de la chasse à l'arc. Oui. Puis beaucoup de gens dans la classique le sont aussi. On a mis de l'avant les armes à courte portée parce que le niveau de difficulté est beaucoup plus élevé. Puis en même temps, c'est pour montrer aux gens que c'est le fun de chasser avec des armes qui sont moins performantes, là, je mets entre guillemets, dans le sens qu'un arc à courte portée est aussi performante qu'un arme à feu à longue portée. C'est juste la distance qui fait foi de tout, mais que c'est le fun pareil. C'est pas parce qu'on échoue, c'est pas échoué des fois que de ne pas pouvoir tirer, on a vécu quelque chose. Que des fois, les chasseurs à l'arme à feu n'ont pas la chance de vivre parce que, oups, ils voient de quoi, bang, c'est à terre. C'est correct aussi, mais nous autres, il faut travailler la patente un peu plus quand on est à l'arc. Puis ça, ben, c'est le fun. C'est le fun de le faire. Puis, il manquait une fenêtre pour la chasse à l'arc. Ça avait été mis de côté trop longtemps. Fait que c'est pour ça qu'on était là, nous, teammates, pour montrer. Mais il y a beaucoup de gens qui ont embarqué. Tous les membres de la classique, finalement, étaient prêts à chasser à l'arc. Il y en a qui sont achetés des traditionnels. Ça n'a pas été long. Écoute, c'était vraiment... comme tu dis, l'arc, c'est un autre monde. Là. Écoute, on parle des fois d'une shot à 15 mètres. Là. Écoute, ouais. Dans ta vidéo tantôt, là, on entendait rien avant de respirer. Ouais. C'était comme... c'est ça le feeling de l'arc. Fait que, c'est ça, clairement. On vient d'en parler toute la soirée, là, mais je pense que la vidéo de Louis qu'on a eue tantôt, l'émotion qu'il y a eue, j'étais à peu près certain qu'avec le bug de Louis de notre ami Tom, je pense que ça va ressembler à ça aussi. Ah oui, c'est un niveau d'émotion. Tom a dû passer par un bas avant d'atteindre le haut, le summum. Donc, c'est ce qui fait que le haut est encore meilleur. Là. Donc, ça va être à ne pas manquer, c'est sûr et certain. Donc, hey, Éric, dernier live. Je tiens à te remercier d'avoir été là pendant toute la saison avec nous comme animateur pour nous épauler là-dedans. Donc, Éric,
C'est moi qui te remercie de m'avoir invité. Écoute, c'était vraiment plaisant. Écoute, je vous connais, ça fait un bout, mais j'ai de même avec tout le monde. C'est sûr, au début, c'est un petit peu gênant. Tu parles ça avec la caméra. Regarde, je pense que non, on a eu vraiment du fun. J'espère que vous avez eu du fun, nous autres, aussi. Puis, clairement. Le 18, c'est un 3 heures de film qu'on va avoir vraiment là, je me le cacherai pas, les plus beaux films de chasse au Chevreuil au Québec. Clairement. Donc, Eric, on remercie tout le monde d'avoir été là. Oui. On se voit, on se donne rendez-vous samedi prochain, le 18 mars. On veut vous avoir en grand nombre pour encourager le plus beau show de chevreuil de chasse au Québec, fait par des Québécois. T'sais, c'est pas juste présenté au Québec, là, c'est fait par des Québécois un peu partout à travers les provinces, États et tout ça. Donc, à samedi prochain, la gang. Salut!